Salut à tous, c'est Théa, on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer un deck. Ça fait longtemps que j'ai pu créer le deck, donc voilà, je vais essayer de créer un deck et voir ce que ça donne, et on joue contre The Outfight. Alors c'est un deck Gabe, basé sur le run, sans la tortue. Voilà, c'était les critères que je m'étais mis, c'était faire un deck Crime Run, avec l'identité de base, hein, pour essayer de trigger au maximum son ability. Franchement, j'aime pas trop mal, on va garder. Ouais, donc basé sur le run, bien entendu, et je me suis interdit de jouer la tortue, puisque sinon tout est tourné autour de la tortue, et il y a beaucoup de decks qui le font mieux que ça. Donc voilà, c'était un peu la restriction que je me suis mise, et d'ailleurs, j'en parle tout de suite, parce que sinon je vais oublier. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler, hein. On va essayer à plusieurs de construire ce deck, ça m'intéresse. Bien entendu, je vais aller faire ce run HQ, hein, voir ce qu'il y a, manger les subs. S'il y en a, il n'y en a pas, très bien. Donc on va gagner 2 crédits, on accède à IPO, donc ça c'est cool. J'aurais pu installer la Turning Wheel du coup. On va carrière fire le R13 Hotel, c'est quasiment sûr et certain. On va aller voir R&D, hein, tant qu'à faire. Je n'ai pas, j'ai toujours pas installé la Turning Wheel, hein, sait-on jamais. Economic Warfare. Ok. Je vais carrière fire le Earthrise Hotel, je vais installer Security Testing, je vais me faire deny 4 crédits normalement, mais il y a Security Testing, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. En tout cas, ça a l'air d'être... Oh, peut-être install double advance. Ok, donc il va prendre un bad putt, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre dans les archives de Security Testing, on pioche 2 cartes. Oh, bankroll. On va piocher une carte Inside Job, ok. On va installer bankroll. On va tenter ce run HQ. Non, on va aller sur les archives. On va juste aller sur les archives. Gagner les crédits de Security Testing. Ouais, bien entendu. Et est-ce qu'on pioche pas juste une carte ici? On va juste repiocher une carte. Ok, ça va. J'ai peut-être dû piocher la carte avant, mais c'est pas grave. On va face check à un moment donné les glaces. On va se les manger, les subroutines, c'est sûr. L'idée c'est Economic Warfare et Hard Eating News. Non, pas Hard Eating News, ok. Toujours sur les archives. On va aller voir ce qu'il y a sur les archives. On va se manger des glaces, hein, c'est sûr. L'obliger à perdre un peu d'argent. Ok, c'est un surveilleur. Tout va fire. 13 de niveau 2 qui me donne un tag, 13 de niveau 2 qui arrête le piratage, il peut booster les traits, ça bien entendu. Ça me dérange pas plus que ça, sachant que j'ai un crédit de bad pub. Hein. Donc là on va mettre les 2 crédits pour pas prendre le tag. 13 de niveau 2 qui va arrêter le piratage. Alors s'il augmente pas, j'ai tout intérêt à l'augmenter. Pour aller chercher le security testing, hein, et le token sur bankroll. Donc, voilà un peu d'argent, je vais aller voir HQ. Gagner un peu d'argent, ça serait bien également. On va voir ce qu'on y trouve. Ok, ça passe. Donc de l'argent, consulting visit, très bien, pas d'autres actions. On va installer Delicast et on va se débarrasser d'un special order. Non, on va plutôt faire crédit Share Gamble et on va se débarrasser d'un special order. Pourquoi je fais pas ce Delicast? C'est parce qu'il y a moyen que je pioche. Oula vache, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Disons R&D. Oh, Dirty Landry, c'est pas mal. Dirty Landry, c'est presque tentant, il a jamais raise. Hein. Je vais prendre l'information sur HQ encore une fois. J'aimerais bien faire des raises. Hein. Ok, Bullhawk. Bah on va pop ça. Hein. Prendre l'argent, laisser tout fire. Je sais pas si j'ai le droit de le faire en fait, ça. Ok, voilà, donc ça arrête le piratage, il gagne 2 crédits. On va aller sur le R&D du coup. Auto fire, ça va me tracher la security testing. C'est une sentry, on est d'accord. On va installer des ICAS, faire de l'argent, se débarrasser d'une Turning Wheel cette fois-ci.
C'est une barrière avec que 5 de force. Hein. Il y a moyen de passer assez facilement. Le bulwark, par contre, est un peu plus embêtant. Hein. Il nous faudrait femme fatale pour passer le bulwark. Pour inside job également, je pourrais commencer à installer Turning Wheel. Piochons une carte déjà. Bankroll, c'est pas mal. Alors, piocher une carte, falsifier le credential, ok. Donc, on va installer le bankroll et Turning Wheel. Il n'est pas si bien niveau économique et il a quand même déjà pété 3 cartes d'économie. Bon, on a Inside Job, ça devrait pas trop poser de problème. Est-ce que je fais pas juste de l'argent ici? Je pense que je vais juste faire de l'argent pour pouvoir faire mon Special Order Femme Fatale. On va juste faire de l'argent. Special Order Femme Fatale, Inside Job. Ça fait 12 crédits, tout ça. On a un crédit de Bad Pub, hein, faut pas oublier. Ça peut être important. On a le falsifié de credential qui nous permet de savoir ce qu'il y a dedans. Ok, alors Colossus, Ortum ou n'importe quelle glace qui se fait avancer d'ailleurs. On n'a pas vu de code get encore, hein. Sentry, barrière, va y avoir des code gets quasiment sûr. Va piocher une carte, la sneak door. Sneak door c'est cool. Sneak door c'est cool. On va poser la lame gordiane, faire juste un peu d'argent. J'ai peur d'utiliser mon Special Order pour aller chercher Paperclip et me rendre compte que au final ça me suffira pas Paperclip. Donc pour l'instant on va garder ça comme ça. Ok. Falsifié de crédential, agenda ici. C'est un projet Atlas, ok. Donc Special Order, femme fatale. On installe la femme là-dessus et on fait un Inside Job Server 2. Et on a deux crédits qu'on va pouvoir utiliser de Bad Pub, hein, qu'on va utiliser pour pouvoir aller chercher le projet Atlas, je pense. Ok, donc il va pas raise. On va pouvoir aller voler le projet Atlas. C'est fait. Femme fatale, hein, qui a 2 de force tout pile, donc qui permet d'arriver dans les archives, hein, Dirty Laundry dans les archives, Sneak Door dans les archives également, il manque de la MU pour ça. J'ai mis la console qu'en x2, j'ai hésité à la mettre en x3 et je pense que j'aurais dû la mettre en x3. Hein. Too big to fail, encore un bad pub, donc ça c'est cool, on passe ici le surveilleur gratos maintenant. Enfin, on le passait déjà gratos, remarque. Paperclip, bien. Bête, bien également. On va faire Dirty Laundry, bête. Quoique, il y a Hard Eating News, hein. Faut pas oublier Hard Eating News. On va juste installer Bet ici. Bet qui nous donnera un clic supplémentaire. Qui nous permettra de jouer autour de certains pièges. Ok, hein, juste pour prendre l'argent et l'information. C'est un Broad Daylight. Wagner va pas nous servir. Ice Carver. Qui est envoyé dans les archives. Donc Break Sentry, Break Sentry. Successful. C'était un Arc Lockdown, très bien. On va repêcher une carte. Dans notre cas, ok. Il ne manque plus que notre. Ça va être scoré. On va pouvoir prendre 2 mythes à un moment. Il va falloir faire gaffe à ça. Quand il le score, il prend un bad pub, ok. Ok, c'est cliquer et utiliser un agenda counter qui a dessus. Ah, d'accord. Ah, en fait, j'ai perdu, là. J'avais pas saisi. J'ai perdu parce que je vais prendre 2 mythes, donc je vais prendre 6 de dégâts. J'ai rien pour tanker 6 de dégâts, donc j'ai perdu, en fait.
Ah, je m'y attendais tellement pas, je la connaissais pas. Enfin, j'aurais dû la lire en fait. Pour chaque bad pub qu'il a, bah oui. Bah oui. Bon, bah, il faut voler la game. Ok, il faut voler la game. Donc là, ça va me coûter 7 crédits pour passer ça. 7 crédits. Projet Atlas. C'est bon ça. Les deux crédits de Gabriel également. Le crédit sur Bankroll. On va retourner sur HQ. Attendez, il y a vu 2, 4, 6, 7 points d'agenda. Non, c'est R&D, hein, je pense. C'est R&D. Hard News. Ça va être HQ du coup, HQ puis R&D. Alors là, il faut voler un agenda. SSL, bah GG. On avait perdu. Donc il y avait encore un SSL, donc ça faisait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est-à-dire qu'il restait 7 points d'agenda dans R&D au final. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais c'est ça. Ok, donc final, voilà, là c'était typiquement c'était le genre de round où j'avais perdu, parce qu'au prochain tour il faisait clic, utiliser un power counter, infliger 2 mythes. Ah non, c'est qu'une fois par tour! Cette carte, je l'ai quand même mal lue 3 fois. 3 fois, je l'ai mal lue, la carte. Ok, c'est lundi. Hein, on y va calmement. Ok, donc je vais vous parler un peu du deck et qu'on va essayer de faire évoluer au fur et à mesure. La game s'est plutôt bien passée, même si je pense qu'il aurait dû rester son bulwark bien plus tôt. Je pense qu'il a essayé de faire trigger son trashé un programme, mais je joue crime depuis longtemps. Je run à poil ou je run avec tous mes breakers. C'est plus ou moins comme ça que ça marche crime. En tout cas, avec le breaker de barrière, de code gate, de... Ben non, maintenant il faut run avec les trois quasiment. De peur de se faire trasher les programmes. Ok, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est qu'il faut que j'apprenne à lire les cartes. Hein, c'est nouvelles lunettes, mais c'est pas pour autant qu'on sait mieux lire. Hein. Et j'ai fait quelques choix dans le deck qui sont très discutables. Parce que j'avais de l'influence free. D'ailleurs, on va regarder ça. Je vais juste quitter la partie histoire de pas. J'aurais dû lui dire au revoir à mon adversaire. Alors, pas que je me trompe, oui, voilà. Donc voilà, super new deck. Gabriel, la première fois par tour, pardon, qui fait un run successful sur le HQ, il a gagné 2 crédits. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça nous fait runner. Ça nous fait gagner 2 crédits. Ça met une pression HQ. Forcément, quand on voit un Gabriel, on s'attend à ce que ben, y ait des runs HQ, il y ait des events qui fassent des choses quand on fait des runs HQ. Et il y ait la Sneak Door. La Sneak Door, quasiment tout le monde l'oublie, mais moi je vois Gabriel, je pense Sneak Door. C'est limite, je protège. Archive HQ et après seulement le R&D. Enfin après, je dis ça limite en vrai, je protège HQ R&D et seulement après Archive. Ça dépend vraiment encore une fois de la game. Mais on veut avoir 3 glaces placées très rapidement. Qu'importe les glaces, on veut les avoir placées très rapidement. Même si sur les archives, vous ne pouvez pas la raise, votre adversaire ne va pas forcément placer une carte qui coûte 4 crédits pour bah, peut-être qu'elle ne serve à rien parce qu'il ne peut pas passer. Donc voilà, ça coûte cher de passer Archive 1, 2, 3, Sneak Door Beta pour passer par les archives. Donc voilà, même placer une glace qu'on ne peut pas raise, ça met une pression, ça peut être suffisant.
Donc, pour rappel, je me suis mis comme objectif de jouer Gabriel, puisque personne joue Gabriel, donc je veux jouer Gabriel. Je veux profiter de son identité, donc je veux pouvoir faire pas mal de runs. Par contre, je me suis mis la contrainte de ne pas jouer la tortue, qui gagne un token à chaque fois qu'on accède à une carte, et que c'est pas une carte qu'on vole ou qu'on trash. Donc c'est, voilà, c'est l'idée. Donc, si on veut faire des runs, il y a déjà des cartes immédiatement qui me viennent en tête, en plus de Snigdor, parce qu'on joue Gabriel. Hein, Snigdor, c'est bien. C'est de jouer Bankroll. Bankroll qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un run successful, on va pouvoir placer un crédit de la banque sur Bankroll, et à un moment donné, on va pouvoir le trasher pour prendre tous les crédits qu'il y a sur Bankroll. Je sais pas si j'avais le droit de le trasher au moment où j'ai rencontré la glace. J'ai cliqué par réflexe, mais franchement, je suis pas certain. Je dirais que oui. Parce qu'il vient de la raise. Non, même pas, ça change rien. Non, en fait, je suis même pas sûr. Je pense pas que j'avais le droit. Je dirais que j'ai pas le droit en vrai. Maintenant que j'y réfléchis. Donc bref, bankroll pour profiter du fait de run. Si on run, ben Dirty Landry, hein, Dirty Landry qui lance un run. C'est toujours intéressant si on est sûr qu'on peut passer, s'il y a un serveur qui est ouvert. Ça marche très bien contre Asset Spam. Je trouve que Dirty Landry est plutôt pas mal là-dessus. J'ai rajouté Paragon également. Ah non, je l'ai mis en x3, j'avais oublié que je l'ai mis en x3. Je pensais que je l'avais mis en x2. Ah, c'est pour ça que je suis à 46 cartes. C'est parce que c'était Paragon que j'avais mis en x2 et après je me suis dit non, j'en ai besoin, donc en x3. Paragon qui est la Desperado, hein, la nouvelle DSP. 3 crédits installés, 1 de MU. La première fois qu'on fait un run successful chaque tour, on va gagner un crédit et on va regarder la carte du dessus du deck. Si on le fait, on peut choisir de prendre cette carte et de la rajouter en dessous de notre deck. Donc ça va filtrer notre deck. Imaginons que j'ai déjà ma Guardian Blade qui est installée ou qui est dans ma main et je vois Abagnale au-dessus du deck, ben je sais qu'à Bagnal j'en aurais pas besoin tout de suite parce que j'ai déjà mon autre breaker de cut-get, donc je peux le prendre et le mettre en dessous du deck. C'est excellent. Vous voyez l'idée là, c'est un cas parfait, mais vous voyez l'idée du deck, pouvoir filtrer et espérer trouver les cartes qui nous intéressent plus facilement, en plus de faire un crédit la première fois par tour qu'on fait un run successful. Donc déjà avec Paragon plus Gabriel, on est à 5, on a 3 crédits la première fois qu'on fait un run successful, si en plus il est sur le HQ. Ensuite j'ai rajouté le Security Testing. Ça fait très longtemps que j'ai pu voir cette carte et pourtant je l'ai trouvée géniale. Lorsque notre tour commence, on va choisir un serveur et la première fois qu'on va faire un run successful sur ce serveur, à la place d'accéder à des cartes, on va gagner 2 crédits. Donc si je la mets sur Henry Mode, bah, à la place d'accéder à la carte, je vais gagner 2 crédits. Si je la mets dans le HQ, à la place d'accéder aux cartes potentiellement du HQ, je vais gagner 2 crédits. Du coup, ça va marcher avec Gabriel, puisque Gabriel sur un run successful, et ça va également marcher sur Paragon. Donc là, tout de suite, sur un run HQ, vous gagnez 5 crédits, sans accéder à des cartes, mais vous avez gagné 5 crédits. Autant dire qu'en début de partie, 5 crédits par tour, c'est très violent. D'autant plus que Dirty Landry marche par-dessus, ou un Diversion en forme marche par-dessus, donc c'est vraiment très cool. Bankroll également continue à stacker par-dessus, donc c'était ça l'idée. Attention, Security Testing n'est pas unique. Par contre, vous ne pouvez, enfin, si vous avez le droit, de mettre 3 security testing sur les archives, on va dire, par exemple. Par contre, il n'y en a qu'une qui va trigger des security testing, et les autres ne pourront jamais trigger, parce que c'est la première fois que vous faites un run successful sur ce serveur. Et c'est une security testing qui trigger. Les deux autres ne triggeront pas. Donc attention à ça, c'est pas aussi fort qu'on pourrait le croire, hein, mettre 3 security testing sur les archives et gagner 6 crédits par tour. Ça serait un peu broken, et tout le monde le jouerait. Donc voilà, attention à ça. C'est en x3 parce qu'on veut l'avoir early. Ça peut être intéressant contre Asset Spam. Hein. On peut mettre 2, voire 3 sur des serveurs différents pour farmer les golds. Hein. Enfin, les crédits, pardon. Donc ça peut être intéressant. J'ai également fait rentrer la Turning Wheel qui nous permet de mettre un token dessus lorsque un run se termine. Il n'a même pas besoin d'être successful, le run, hein, sur le HQ ou sur le R&D. Et qu'on n'a pas volé d'agenda pendant ce run, voilà, c'est important. Et vous allez pouvoir dépenser 2 pions Power Counter sur la Turning Wheel pour accéder à une carte supplémentaire du HQ ou du R&D pendant le run sur lequel vous avez dépensé ces Power Counter. Donc vu qu'on va run en général pas mal sur le HQ, que ce soit via la Sneak Door ou non, d'ailleurs la Sneak Door marche avec Gabriel, la Sneak Door marche avec Security Testing si Security Testing est mis sur le HQ. Si elle est mise sur les archives, ça marche pas, hein, parce que c'est Security Sneak Door qui fait que le run successful archive est considéré comme un run successful HQ. Donc c'est comme ça que ça marche, donc ça marchera pas si Security Testing est mis sur les archives, attention. Mais du coup, ça marche sur Turning Wheel, puisque le run est arrêté et on n'a pas volé l'agenda. Donc ça fait des tokens. Donc là, on a le corps
du deck, c'est vraiment Gabriel, Bankroll, Paragon, Security Testing, Turning Wheel. Ça, c'est vraiment le corps sur quoi je me suis basé pour faire mon deck. Derrière, j'ai placé R13 Hotel parce que c'est la carte fétiche un peu des crimes pour piocher. Donc, qui dit R13 Hotel dit Carrier Fear. Qui dit Carrier Fear, ben, on va mettre le plus de ressources qui coûtent 2 ou 3 crédits. Donc, on a Delicace qui est rentré. J'ai que les Ice Carver parce que ça coûte 3 crédits à installer. Donc, on peut l'installer gratos avec Carrier Fear. C'était 3 d'influence. J'avais pas mal d'influence qui me restait, à vrai dire. J'avais 6 d'influence qui me restait. Enfin, même plus que ça. Donc, j'ai fait rentrer Escaver et j'ai fait rentrer Bête. Bête, c'est plutôt sympathique comme carte, donc j'aimais bien la mettre en shaper. Donc, je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de la faire rentrer en crime et voir ce que ça donne. Au final, ça m'a donné 3 clics sur cette partie, donc c'était pas dégueulasse. Hein. 3 clics pour 3 crédits. Ouais, je prends. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Au niveau des programmes, je fais bien souvent le choix en crime de doubler mes breakers. Je prends un breaker qui est plus efficace en général et ensuite un breaker in faction. Donc là, j'ai pris la Gordian Blade que j'ai toujours aimé jouer en crime. J'ai hésité à prendre Angolo, mais il prend 2 de MU et j'ai pas la place. Donc je l'ai pas pris. Mon deuxième breaker de Code Get, c'est Abagnale, hein, qui peut bypass également en trashant la carte. Donc ça peut toujours être intéressant. Gordian Blade qui garde sa force hein, pour tout le reste du run. Donc ça, c'est intéressant. Comme breaker de Sentry, ça va être Nanotka, qui coûte assez cher à augmenter sa force. Et ça, c'est peut-être une erreur que j'ai fait, parce que j'ai pris deux breakers qui coûtent assez cher à augmenter leur force. Entre Nanotka et Femme Fatale, on n'est pas verni. Par contre, Nanotka qui a plus 1 de force par glace dans le serveur, donc ça, c'est intéressant forcément. Et au niveau des breakers de barrière, bah, j'ai juste pris un paperclip, parce que si ça se fait trasher, ça se réinstalle depuis la défausse, donc c'est pas très grave en général. Sauf si non, le deck n'est plus jouable, un hein, Scorpios, donc il y a très peu de chances que vous tombiez sur ce genre de combo. Sneak Door, bien entendu, j'en ai parlé, hein, on joue Gabriel, donc Sneak Door, ça me paraît indispensable. Et Bankroll, j'en ai également parlé pour l'argent. Paragon, j'en ai parlé. Au niveau des events, donc Carrefour, j'en ai parlé. D'Artillery, j'en ai parlé. Diversion Fund, c'est le pseudo-lock qu'on va avoir sur notre adversaire. Si jamais il se met dans une position où il score et il est bas en argent et la glace, il veut pas la res ou on la passe quasiment pour que dalle, et ben on va pouvoir le diversifier en forme plusieurs tours d'affilée. Enfin, tant qu'on a la carte dans la main pour le lock et pour gagner, continuer à gagner cet argent via notre ability, plus Baragon, plus Bankroll, enfin ça dépend des cartes que vous avez, et faire les tokens Turning Wheel et continuer comme ça à Snowball pour avoir ce gros run R&D qui va vous apporter la victoire. Donc diversion en forme en x3. Je ne sais pas si x3 c'est le bon dosage. En général, s'ils font, on les joue en x3. Donc diversion en forme, je pense aussi hein, qu'on va les jouer en x3. J'ai pas eu l'occasion de les avoir dans ma main, donc j'ai pas eu l'occasion de les tester. Falsifiat Credential qui va vous permettre d'éviter de faire des runs coûteux pour rien dans un remote. Il n'y a rien de pire que de se taper un bait et d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour arriver jusqu'au fond pour se rendre compte que c'était un bait. Donc voilà, Falsifiable Credential qui marche très bien, ça fait un peu d'argent en plus. Hein, si, enfin, c'est pas une carte qui sert à rien, elle servira quoi qu'il se passe. Inside Job pour les deck rush, pour bypass les glaces, la glace la plus à l'extérieur, enfin la première glace la plus à l'extérieur qui est raise, vu qu'il faut qu'on rencontre la glace. Quand on rencontre une glace, ça veut dire qu'elle est raise. J'ai quand même mis un petit legwork en x1 pour le multi-access sur HQ sans forcément avoir besoin d'utiliser des tokens Turning Wheel qu'on préférera, je pense, garder pour du multi-access R&D. Special Order pour aller chercher le programme qu'il faut quand il faut. Vous avez vu au début, j'ai beaucoup run à poil, hein, j'avais pas de programme installé. J'ai fast check les glaces. Crime, ça se jouait comme ça à l'époque. C'était à la limite, on posait les ferries, donc des breakers qui s'utilisaient une fois et qui étaient trashés après, hein, qui étaient des breakers de Sentry. Et on allait franco, on allait voir ce qui se passait. Bah là, c'est un peu la même idée. On y va franco, on va voir ce qui se passe. On fast check les glaces, toujours avec suffisamment de cartes dans les mains pour ne pas mourir bêtement. Donc, en général, c'est 3, voire enfin, 3 et 2 crédits ou 4 cartes dans les mains. Maintenant, il y a la nouvelle carte Jinteki. Donc, Special Order qui nous permet d'aller chercher le breaker qu'on a besoin pour continuer à mettre de la pression.
et Share Gamble pour l'argent. Donc voilà, c'est un peu comment j'ai construit mon deck. J'avais beaucoup d'influences. À vrai dire, la seule influence que je voulais mettre dans le deck, c'était Guardian Blade, Paperclip et Turning Wheel. Voilà, ça c'était l'influence que j'ai injectée dedans. Si vous avez des meilleures idées pour où spread cette influence, le Ice Carver qui réduit de 1 la force des glaces qu'on rencontre, ben, c'est techniquement un crédit qu'on va gagner. Donc je suis pas si certain que ce soit utile, mais c'est une carte qui coûtait 3, c'est une carte qui est toujours plus ou moins utile, on a Carrefour pour l'installer. C'est un peu la même chose avec Beth, hein. C'est une carte qui est toujours utile, on a Carrefour pour l'installer, ça coûte que 2 crédits installés. Ça me va. C'est, voilà, c'est un trade qui me va, mais peut-être qu'il y a des meilleures cartes à faire rentrer dans le deck. D'un autre cas, pareil, je suis vraiment pas certain de la carte. Il y a peut-être des cartes hein, aussi, comme j'ai dit, les diversions au fond, j'ai pas eu l'occasion de les voir, donc je sais pas trop ce que ça ça vaut. Je sais pas si Legwork c'est pas overkill avec deux Turning Wheel. C'est encore des choses à tester, j'ai fait qu'une game avec le deck. Hein. Donc c'est un peu pour vous montrer les itérations qu'il peut y avoir sur un deck. D'ailleurs, si vous avez, encore une fois je me répète, hein, mais si vous avez des idées pour faire évoluer le deck, n'hésitez pas. Passez soit dans les commentaires YouTube, soit passez sur le Discord, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir de rejouer Gabriel, qui a bien vieilli hein, depuis le temps, vu que c'est la première identité avec laquelle j'ai joué, c'était Gabriel. J'ai vu la carte en bleu. Bleu, j'aime bien déjà, c'est ma couleur, voilà, bleu, rouge, vert, moi je préfère le bleu. Et le petit côté filou qu'il y avait dans la description du jeu me plaisait énormément. Donc voilà, j'ai joué Crim. Premier deck que j'ai joué, c'était le deck de base qui a été préconstruit hein, dans le core set avec Crim. Ok, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve, on se retrouve pas demain, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à plus, ciao ciao!